Coucou mes petits chats, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une ambiance différente, puisqu'on se retrouve sur un jeu d'horreur. J'avais déjà testé la bêta avec vous, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Last Year. On avait passé une soirée dessus et vous aviez adoré avec Robbie. Et aujourd'hui, on s'y retrouve aussi. Des petites précisions sur ce jeu, c'est un jeu qui est exclusivement disponible sur Discord, comme cet autre jeu aussi. C'est un petit peu nouveau comme plateforme, mais franchement, ils font un super travail. Ils soutiennent les développeurs indépendants et ils apportent aux joueurs de best conditions de jeu. Donc ça, c'est très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On va essayer de survivre, puisque c'est un jeu de survie. Vous pouvez jouer soit en tueur, soit en survivant. Vous décidez en fait en début de game. Je vous laisse découvrir ça avec moi et Robbie tout de suite, c'est parti. Salut à tous, je suis avec Robbie et on est avec des Anglais, donc le temps que je les mute, il y en a qui s'amusent à répéter un petit peu mes phrases, donc je vous avoue que je rigole beaucoup. Comment ça va Robbie? Ça va super et toi? Comment ça va? Library. The library. La bibliothèque. Ok, come on. Ah ouais, d'accord. It's a good plan. Trouver une carte, mettre dans le serveur. Oui, oui. Let's go. I will get the fromage. Système de sécurité. I think we are yet. Then we will use the baguette. Yes, a big baguette. Big what? To escape. Use our vélo to Voilà, c'est bon, j'ai muté tout le monde. J'en peux plus, j'ai pris une caisse à outils, je sais pas ce que j'ai pris. Bon, en gros, pour vous expliquer la game vite fait avant qu'on parte, donc j'ai Robbie qui est en face de moi, qui me fait des petits coucous avec son tuyau là. Coucou Robbie. Coucou. Ça va, t'es bien? Alors vous parliez tous en même temps tout à l'heure, c'était une véritable cacophonie, c'était un petit bonheur. En gros, le but du jeu, donc il y a un tueur, on est plusieurs survivants, il va falloir qu'on récupère des objets, on a chacun des attributions différentes, et le but ça va être de sortir de là vivant, clairement. Et pour ça, va falloir déjouer les pièges du tueur et s'entraider, voilà. Et ce qu'il faut qu'on fasse là, c'est récupérer de l'essence, une espèce d'énorme escalier qu'on va pousser une fois que l'essence va être dedans, puisque c'est un escalier mécanique qui va nous amener vers la sortie. Garde le plan qui est là. Donc oui. En gros, l'essence que t'as dit pour tout à l'heure, c'était pour lancer le map. Là, il faut trouver une disquette, le mettre dans le serveur, et pirater le système de sécurité et s'en aller. Ok, donc chaque map a sa façon de s'échapper. Voilà. Et donc là, en fait, depuis tout à l'heure, je fais toujours la même. Donc il faut de l'essence. Et là, il faut une disquette. Voilà. Après, okay. La disquette, tu mets dans le serveur, okay. Tu pirates tes systèmes. Trouve la disquette. Par contre, là, je trouve que. Fais gaffe, parce qu'il y a plein de. Oui. J'ai l'impression que le tueur, il peut venir de n'importe où avec toutes les blagues qu'il y a là. J'avoue qu'il y a beaucoup. Genre, même là, dans le mur aussi, là, t'as vu? Ouais. Genre là, il peut arriver. Oui, parce qu'il pose des petits pièges, il passe par des petits endroits. C'était caché, tout ça. On peut aller dehors, quoi. Bah ouais. Nice. Allez, on s'en va. Regarde, il y a un petit rat là-bas, t'as faim? C'est Ratatouille. Cours après Ratatouille. Ah, la disquette a été installée. C'est bien, c'est bien. Ils ont déjà trouvé la disquette. Ils ont trouvé la disquette, ils l'ont mis dans le PC. C'est des gars sûrs. Moi, je visite un peu la map. Bah écoute, je te suis. Alors là, il y a des ordures. C'est un peu un endroit abandonné quand même. Il y a un peu de sang partout aussi, clairement. Moi, je rentre dans un truc comme ça, je ressortirai. Là, nous pouvons voir des petites mouches qui volent paisiblement au-dessus d'une barre de sang. Ah bah lui, il aimait pas le prof, je pense. Pourquoi le prof est mort? Ah oui. Oh, le pauvre petit prof de musique. Hop là. Coucou. Donc là, tu veux... Okay. En fait, tu remontes, ok, d'accord. C'était pour remonter. D'accord, tout ça pour ça, quoi. Parce que du coup, je peux améliorer ma caisse à outils en faisant une mine de proximité, des pilules antidouleurs. Oula, il y a le tueur. J'arrête de regarder. Attendez-moi. Bon, il faut que je fabrique des choses, là. Hop, un peu de ferraille. Alors, on a quoi? On a des petites pilules antidouleurs, on sait jamais, hein. Ça fait mal de se faire couper une jambe. Ah! Au secours! J'ai fermé la porte sur lui. Cours! Je cours. Moi, je me retourne pas. Hein. J'ai qu'une caisse à outils dans les mains, donc. Mine! Il est en train de le couper en petits morceaux. Oui. Oui. Ouais, je peux faire une petite mine là. Je peux la poser. Moi, je vais poser. Pose a bomb! Let's go, B! Pose a bomb! Cours! Comment je pose la bombe? Je sais plus! Robbie, je suis là! Follow me! I'm a snake! I'm a snake! Ok, je pose la bombe. Je vais faire mon malin. Robbie vient de se faire exploser la tête. Moi j'ai posé une bombe. Hein. C'est à dire que là, s'il me voit et s'il vient vers moi, normalement ça lui saute dessus, il meurt. Hey, youhou! Je crois qu'il m'a décapité. Youhou! Il m'a vu. Il revient. Là devant moi. Je l'ai mis juste là. Oh là. Tu penses qu'il va la faire péter ou pas? Tu penses à me faire péter aussi? Non, je pense que le cercle c'est la limitation d'explosion. Mais je suis prête à sauter. Bim!
ça a dû lui faire mal. Bah alors mon gars, ça va faire boum. Il est pas mort. Oh. Je viens de lui faire sauter une bombe dessus. Ah, trop bien. Oh. Je veux pas. Je jure, il est pas mauvais. Hein. Non, non, non. Une bombe n'a pas suffi. Il va falloir qu'on vous fasse une deuxième bombe. Va me sauver. T'es où? Regarde sur la map, non, normalement c'est écrit va sauver Robbie. Robbie est à 25 mètres de vous. Robbie est dans le sous-sol. Bah oui, forcément, hein. Robbie pouvait pas être à l'extérieur avec de la lumière. Non, Robbie il est enfermé dans son petit placard là. Normal. Je vous ouvre, la porte est bloquée. Vite. Ok. Ah bah il y avait un homme pas dans un meilleur état à côté de toi là. Ouais, j'ai dû lui régler son compte. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a lui? Je sais pas. Pourquoi il est pas bien? Ok, je t'aide. Reste bien. Ouais. Je suis pas confiant. C'est bon, ça va? Allez, debout. On n'a pas le temps. Fabrique, médicaments. Ah oui, j'ai un lance-flamme bientôt. Faut que je trouve des ressources. Ouais. Moi, je rigole pas, moi. Des bombes, des lance-flammes. Bientôt le lance-roquettes. Il y a quelqu'un qui est enfermé à l'étage. C'est bon, quelqu'un va le chercher. C'est bon. Bogey. Quelqu'un va chercher Bogey. Sauvez Bogey. Je vais mettre la baille à la porte. Entre dans la bibliothèque secrète. C'est là où j'ai fait sauter notre vilain tueur tout à l'heure. Faut qu'on entre dans la bibliothèque secrète. Je vais voir si je peux pas me faire un petit lance-flamme avant. Il manque encore de la ferraille. Je suis dans la bibliothèque secrète. Franchement, c'est pas mal. C'est la bibliothèque secrète. Oh, j'ai cassé la poignée, je répète, j'ai cassé la poignée. Allez les gars. Faut faire un tout droit. Je te suis, Robbie, je te suis. Ah, il va falloir sauter. Je m'en doutais. J'étais pas prête. Je reviens. Va falloir sauter, moi je pensais un truc plus tard, tu vois, pas direct. Y'a un pote qui m'a poussé là, dans le piège. Ok, je refais une mine. C'est le moment de le faire sauter sa... sauter sa tronche. Ah, je vais mourir moi. Allez, vite. Go, Robbie, go. Non, Robbie. Ah non, moi je me tue. Bah en fait, moi, il y a un de mes potes qui m'a poussé dans le piège. Je voulais le désactiver, il m'a poussé dedans. Oh, Robbie. Paix à ton âme, nous venons de perdre Robbie. Alors que nous nous échappons tous vers le bout du tunnel de la bibliothèque secrète, Robbie a été sacrifié par l'un de nos coéquipiers et est mort dans de terribles souffrances. Je retiens mes mots envers cette personne qui m'a poussé dans le piège. Bon, comment vous dire que cette game a été compliquée, dans le sens où Robbie nous a quittés au dernier moment. C'est exactement ce qui m'était arrivé en fait sur la game de chauffe, c'est-à-dire que j'étais en train de mourir telle une crêpe étalée. Et là, c'est ce qui est arrivé à Robbie. On s'en est quand même sortis. Voilà, la bibliothèque m'aura porté chance, donc merci. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans le lien, dans la description, vous avez le lien pour pouvoir télécharger directement le jeu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!